très juste. Chaque fois, j'ai l'impression de faire irruption dans un conte de fées. Le plus amusant, ce sont les fadaises. 4 générations! 4 générations que ma famille produit du vin! Une piquette imbuvable, plutôt. Raison pour laquelle c'est à moi, et non à lui, qu'il faut vendre Bellegarde. En tant que trésorier ducal, je suis tenu de veiller aux intérêts du duché. Pour l'heure, Bellegarde appartient au trésor. Le ministre concerné a expressément exigé que Bellegarde soit cédée à quelqu'un de valeur. Or, il se trouve que vos 2 domaines sont en proie au trouble. Tant que vous n'aurez point prouvé vos compétences en y mettant un terme, il est exclu de vendre Bellegarde à qui que ce soit. Alors, satisfait? Tout est ta faute. Plaît-il? Cette femme est folle. Ah, bonnes gens! Sachez que Mathilda de Vermentino est folle alliée et maudite. Maudite? Je ne crois pas. Seulement très très en colère. Et vous y êtes pour quelque chose. Vraiment? Qu'en savez-vous? Seriez-vous un dompteur de jupons? Non, un simple sorceleur. Mais inutile d'être expert pour voir qu'une femme se fâche. C'est assez vrai, ma foi. Une seconde. J'ai bien entendu sorceleur. Sorceleur? Vous ne chercheriez pas du travail? Il se trouve que je compte acheter le domaine Bellegarde et que ce rond de cuir s'y opposera tant qu'il y aura du grabuge chez moi, à Coronata. Vous pouvez m'en dire plus sur ce qui se passe? Ah, les ennuis ne manquent point, en vérité. L'herbarium grouille de monstres. Mon intendant a disparu avec toute une cargaison de vin. Et quelqu'un a enlevé mon herboriste. Quelle poisse pour un petit vignoble. C'est un coup de Mathilda. Tous mes malheurs. Sous un frais minois, elle cache plus d'amertume qu'une botte de radis. Alors, vous allez m'aider? Mes services ne sont pas gratuits. J'entends bien. Quels sont vos gages? Hélas, c'est trop cher pour moi. J'ai beau être aux abois, je refuse de me faire estamper. Ça ressemble à un travail de sorceleur, entendu. Je vous suis infiniment reconnaissant. Merci à vous. Mes terres sont à l'est. Vous ne pouvez point les rater. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je reparle à ce gratte-papier, sait-on jamais. Vous êtes bien sorceleur? Je vous ai entendu parler à cette paderne de Liam. Ce type est répugnant. D'abord, il fait le joli cœur, il vous fait les yeux doux, mais ensuite, il révèle son âme noire. Mais revenons à nos cépages. Moi aussi, je suis déterminée à acheter Bellegarde. Hélas, ça ne va pas fort sur mon domaine, Vermentino. Drôle de coïncidence. Quelle coïncidence? C'est Liam qui est derrière mes ennuis. Divers et variés. Mon tonnelier, mon forgeron, volatilisé. Des plantes mangeuses d'hommes sont apparues sur mes chemins. Et il se trame quelque chose à la colline du faisan. La liste n'en finit pas. Mais le nœud de la question, c'est que je dois régler les problèmes à Vermentino pour acheter Bellegarde. Seriez-vous disposé à m'aider avant Liam? Je double les gages qu'il vous a promis.
Nous allons nous entendre. Je le sens. Nous allons nous entendre. Je le sens. Oh, marché conclu. Je peux toujours essayer. Formidable. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Mon vignoble est à l'ouest. Il faut que je reste un peu. Si j'ai le dos tourné, Liam risque d'en profiter pour me jouer un sale tour. Entendu. Au revoir. Doux maintenant. Oui, toi le prophète Léonard. Messire, aidez-moi. Messire.
Emma. Merci, noble chevalier. Je m'étais aventurée au nord à la recherche d'herbes pour un nouveau vin aromatisé, quand soudain... Du calme, c'est fini. Ces crapules m'avaient enlevée, sûrement pour demander une rançon. Mais avec ces problèmes, Maître Liam n'aurait jamais pu payer. Ah, enfin, grâce à vous, je suis saine et sauve. Si vous avez besoin d'herbes, j'en ai tout un stock au vignoble Coronata. Me raccompagnerez-vous ? J'ai encore quelque chose à vérifier ici, mais je passerai sans faute quand je serai dans le coin. Je vous attendrai. Manquait plus que ça. Eaux broyées. Bon sang. Il devait être sacrément fort. Des empreintes profondes, du sang. Il a tenté de s'enfuir. Sortez, je ne vous ferai pas de mal. Merci, messieurs sorceleurs. Que les biodas veillent sur vous. Thank you.
Je vous dois la vie, chevalier. Comment vous appelle-t-on ? Mon nom est Geralt, Geralt de Rive. Merci, messire Geralt. Ces canailles voulaient détruire notre jardin d'herbe. Je me suis dit, je vais prendre un marteau et les faire déguerpir, mais... À mon grand regret, ils étaient trop nombreux, et j'ai échoué. À quoi bon pleurer sur ce qui est fait ? Accompagnez-moi au vignoble Vermentino. Je réparerai votre armure ou ce que vous voudrez sur l'enclume. Allez-y. Je passerai quand je serai dans le coin. Je trouve le lieu mentionné. Je suis prêt à parier que le gros loup m'attend derrière la porte qu'ouvre cette clé.
fenêtre prouve que Crespi est derrière le sabotage des deux vignobles. Il faut prévenir Mathilda, c'est qu'un pire. Seul un fou furieux peut cultiver ses horreurs. Je dois les brûler avant qu'elles crachent des spores. De pays que tout ça. Très juste. Chaque fois, j'ai l'impression de faire irruption. Les hommes de cette région n'y pensent plus. Le plus amusant, ce sont les valets auxquels croient les gens. Maître Sorceleur, quelles sont les nouvelles ? Ce vignoble, Bellegarde, qu'est-ce qui fait son attrait ? Ah, vous n'êtes point d'ici, vous. Avant qu'il succombe à la bête, c'était le comte Crespi qui possédait Bellegarde. C'était un homme fortuné et influent. Il a fait du domaine un succès considérable en employant des cépages rares et des ouvriers qualifiés. Inutile de vous noyer dans les détails inutiles, disons simplement que l'apport de Bellegarde à un autre domaine est un gage de succès. Un seul et même individu est à la racine du grabuge à Coronata et Vermentino. J'en ai la preuve. Un certain comte Crespi. Comment, Crespi ? L'ancien propriétaire de Bellegarde ? C'est impossible. Tout est là, noir sur blanc. Le mobile existe, en effet. Il avait compris qu'une fusion entre Vermentino et Coronata signerait la mort de son domaine. C'est sûrement lui, l'artisan de la brouille. De toute pièce, je parie. Son plan a failli marcher avant qu'il succombe à la bête. Incroyable. Ce qui veut dire que Liam est innocent ? Et moi qui étais sûr que mes ennuis venaient de Mathilda ? À la lumière des développements récents, la solution idéale consiste à voir les deux domaines lésés co-gérer Bellegarde. Une petite minute. Vous nous suggérez de coopérer ? En effet, ce serait l'idéal, du point de vue de la santé financière comme de l'éthique. Je n'aurais jamais cru dire cela un jour, mais je pense qu'il dit vrai. L'heure est venue de faire la paix. Trois vignobles valent mieux qu'un seul. C'est évident. Topela ! Ce n'est pas tout. Le grabuge dans vos vignobles est terminé. Vous pouvez y reprendre une activité normale. Merveilleux. J'aime à savoir que vous avez recruté un professionnel dont l'aide peut s'avérer précieuse. Mais ne nous emballons point. Suivez-moi. Il est grand temps que vous découvriez Bellegarde. Sorceleur, veuillez nous accompagner. Mon petit doigt me dit que vous n'en avez point terminé. Très bien. Allons-y. Mon souhait de voir Bellegarde échoir à quelqu'un de capable n'avait rien de nouveau. Le domaine traverse une mauvaise passe depuis la mort de son propriétaire. On m'a parlé d'ouvriers morts à la tâche, de monstres en maraude. Le nouveau propriétaire doit déjà régler ses tracas. Tel est le souhait exprimé par le ministère. J'ai du pain sur la planche, on dirait. Votre aide serait la bienvenue, vous savez. Je peux agir, mais moyennant finance. Entendu. Marché conclu. Je crois m'être déjà engagé à ce sujet. Eh bien, voilà qui m'ôte une sérieuse épine du pied. Je vous promets une jolie prime. Je vais me mettre au travail.
Allez. Si je vois encore cette ombre. Ralentissons l'allure. Comme toute chose noble, il vous en prie de haut, vous, le migrant du Nord. Mais sans vous, continuerait à pisser dans leur braise. Merci. Ah, quelle puanteur! Thank you.
Mais la mort l'est encore plus. Sire, allez, suivez-moi. Merci mille fois, messire. Sans vous, eh bien, ces bandits n'étaient point là pour plaisanter. Je pourrais vous forger quelque chose pour vous prouver ma gratitude. Et je dois d'abord regagner ma forge à Bellegarde. En route, il n'y a pas une minute à perdre. Encore merci pour votre aide. Voulez-vous voir mes marchandises ? Montrez-moi ce que vous avez. Que fabriquiez-vous dans le bois de Caroberta ? Et comment vous êtes-vous retrouvé prisonnier de ces bandits ? Depuis la mort du comte, je n'ai plus les moyens d'acheter des matériaux bruts. Et donc, plus d'outils ou de cerceaux de fût. Je suis donc allé en chercher dans les bois avec quelques gars. Il y a plein de choses à récupérer dans les ruines elfes, si on est prêt à creuser. L'endroit serait hanté, mais je ne crains point les fantômes elfes. Vous êtes quelqu'un de rationnel. Là n'est pas la question. Le fait est que je n'ai point vu un seul fantôme. Par contre, nous sommes tombés sur une anse. Heureusement, j'ai plus de chance que de bon sens. Vu que vous êtes venu me sauver. Au revoir. J'ai réglé les problèmes à Bellegarde. L'exploitation peut repartir de plus belle. Merveilleux! Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets le titre du vignoble de Bellegarde. J'espère que vous saurez faire bon usage de ces terres et ces ressources. Excellent! J'hume déjà les raisins qui mûrissent au soleil. Merci pour votre aide précieuse. Tenez, voici vos gages. Et ce n'est pas tout. Revenez nous voir sous peu. Nous avons une petite surprise en réserve. Entendu. À bientôt. Mort diable. Mon dos me fait terrible. Perdre sa réputation, c'est pire que la mort. Voilà un visage que même les onguents n'arrangeraient point. Seigneur, nous avons quelque chose. Je le jure sur mon honneur. J'écraserai les pillards. Je le disperserai aux quatre vents et les chasserai de notre pour le plaisir. Et qu'il faudrait faire venir un sorceleur du Nord pour nous aider. Oh, sorceleur, bien le bonjour. C'est gentil de passer. Avec Mathilda, nous avons une surprise. Ça se passe bien entre vous, on dirait. Oui, nous avons compris qu'il n'y avait plus lieu de nous quereller.
De ce moment, les choses ont changé. En plus corsé. Quel romantique tu fais. N'en dites pas plus. Ravi de vous savoir heureux. Une surprise? Un nouveau monstre à tuer, peut-être? Non, quelque chose de plus agréable. Nous avons produit un vin. D'après les meilleurs sommeliers, il pourrait détrôner l'Est-Est. Comme nous vous devons ce succès, avec votre accord? Nous aimerions qu'il porte votre nom. Comment allons-nous l'appeler? Pourquoi pas Loup Blanc? Sauvage, évocateur, c'est parfait. Bien entendu, nous ferons livrer quelques bouteilles chez vous à chaque cuvée. Trop aimable à vous, merci. Tout le plaisir est pour nous. Bon vent à vous, sorceleur.